vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Le Carmel, c'est renoncer à toute activité pour ce que Saint Jean de la Croix appelle l'activité d'amour. Et c'est l'amour qui est la relation du Père au Fils et du Fils au Père. Une vie, une œuvre. Jean de la Croix, de la mystique et de la poésie. Une émission proposée par Hubert Juin, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Ma mère, je voudrais vous demander, vous avez la vocation religieuse, mais vous avez choisi le Carmel. Vous m'avez dit qu'il y a 51 ans, je crois, que vous êtes au Carmel. Cette vocation pour le Carmel, d'où cela vient-il? Plutôt que pour un autre ordre religieux, j'entends. C'est justement que toute une vie qui est consacrée à aimer, parce que c'est l'activité profonde de l'être humain qui a été créé par amour et dont l'activité est amour. L'amour qui doit se retourner vers Dieu, qui l'a créé par amour et qui doit... La vocation d'une carmélite ne s'arrête pas à elle toute seule. Et dans cette activité, elle doit entraîner tous ses frères. Les humbles dont nous parlons n'ont garde d'entreprendre de faire les soins à personne. Ils sont tout près de cheminer et de prendre un autre chemin que celui qu'ils tiennent, si on leur commande, parce qu'ils ne pensent jamais qu'ils réussissent en quoi que ce soit. Ils n'aiment point à compter leurs affaires, car ils les tiennent pour peu de choses, rougissant même quand ils les disent à leur maître spirituel, comme des choses dont ils estiment ne valoir pas le parler. Ils sont bien plus désireux de dire leurs fautes et péchés ou qu'on les entende, que de dire leurs vertus. Et ainsi, ils traitent plus volontiers de leur âme avec ceux qui font moins de cas de leurs choses et de leur esprit. Ce qui est une propriété de l'esprit simple, pur, vrai et très agréable à Dieu. Car, comme le sage esprit de Dieu habite dans ces âmes humbles, il les incite et incline aussitôt à cacher leur trésor au-dedans et à mettre le mal dehors. Car c'est une grâce que Dieu donne aux humbles, ensemble avec les autres vertus, comme il la refuse aux superbes. Mais j'apprends qu'il n'y a que le petit nombre d'âmes qui cheminent dès le commencement en cette perfection et qu'il y en a fort peu. Nous nous contenterions bien si elles ne trébuchaient point en les choses contraires. C'est pourquoi Dieu met en la nuit obscure ce qu'il veut purifier de toutes ses imperfections pour les faire avancer. Nous sommes ici dans un endroit de Provence qui rappelle, je crois, pour ma part, l'Espagne de Jean de la Croix. Qu'en pensez-vous, Teresa Martine? C'est vrai. Évidemment, de voir les lieux, ça donne vraiment quelque chose à la personnalité de ceux qui ont vécu. Ici, ça ressemble, oui et non. Ça ressemble en ce sens qu'il y a déjà une lumière, une rudesse qui se rapproche beaucoup de celle de l'Espagne. D'autre part, là-bas, je pense que l'austérité, la dureté du paysage est encore plus grande. Enfin, la cruauté de la lumière même. Le contraste entre le ciel et la terre. Guande Yepes,
que nous connaissons sous le nom de Jean de la Croix, est né en Castille, à Fontiveros, en 1542. Ce qui caractérise son environnement, c'est la lumière impitoyable. Ce sont les paysages arides. Et ce qui caractérise la vie de l'enfant et de l'adolescent Juan, c'est l'extrême pauvreté. L'un de ses deux frères mourra de malnutrition. Il devient carme. Il poursuit des études extrêmement poussées. En 1567, il est ordonné prêtre. À ce moment-là, il rencontre Thérèse d'Avila. Et Thérèse d'Avila racontera cet épisode dans son livre « Des fondations ». Peu de temps après, vint nous voir un jeune père qui étudiait à Salamanque. Un autre l'accompagnait, qui me parla avec admiration de la vie de ce père. Il se nommait Frère Jean de la Croix. Je louai notre Seigneur, et ce qu'il me dit me causa une grande joie, car lui aussi voulait entrer chez les Chartreux. Je lui fis part de mes projets, et j'insistai beaucoup pour qu'il attendît que le Seigneur nous donnât un monastère, et comme il serait bon, s'il voulait se parfaire, que ce fût dans l'ordre même, et combien il y servirait mieux le Seigneur. Il y consentit, et me donna sa parole à condition que cela ne tarde pas trop longtemps. Lorsque j'eus deux religieux pour débuter, je vis l'affaire faite, bien que je ne sois pas encore aussi contente du prieur. J'attendis donc quelque temps, et puis il fallait savoir où commencer. Ce qui se pose, c'est le problème de l'actualité de Jean de la Croix aujourd'hui. Et c'est sur cette question importante, capitale, que nous avons interrogé Germaine Jeanblin et le père Pierre Dormelas. Il me semble que le grand souci de Jean de la Croix au XVIe siècle, c'était de montrer à l'homme toutes ses possibilités. Et la grande possibilité de l'homme, c'est avant tout une possibilité spirituelle. Et il a des passages magnifiques où il dit « L'âme a une capacité infinie et Dieu creuse cette capacité pour la remplir. » Donc l'homme est fait pour Dieu, pour cette dimension infinie, dimension spirituelle. Et il me semble que dans la société actuelle du XXe siècle, donc qui n'est plus du tout comme le XVIe siècle espagnol de Saint-Jean de la Croix, il me semble que dans cette société, le seul moyen de survivre face à un matérialisme ambiant, une société de consommation où des tas d'objets étouffent l'homme, mais des objets qui sont finis, qui sont matériels, qui sont sensibles, eh bien, Jean de la Croix fournit une issue à l'homme pour qu'il puisse survivre, car il donne la dimension spirituelle de l'homme, comment nourrir cette dimension spirituelle, et aussi, il montre jusqu'où ça peut aller. Je crois qu'il est un de ceux qui est allé jusqu'au bout des possibilités de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a une actualité, à mon avis, fondamentale pour le XXe siècle, qui meurt d'objets de consommation qui sont tous sauf spirituels. Pour moi, Jean de la Croix, ça a été quelqu'un que je trouve absolument fantastique, parce que il m'a vraiment révélé les sommets. Et en même temps, je trouve que c'est quelqu'un qui met ses sommets à la portée de n'importe quel homme. Parce que il révèle d'abord quelque chose d'essentiel, c'est que Dieu est présent au centre de mon âme. Pour Jean de la Croix, ça c'est capital dans toute son œuvre. Il révèle tout le temps cette présence de Dieu au fond de l'âme. Et cette présence de Dieu, eh bien, elle est en chaque homme. Et chaque homme peut vraiment espérer devenir Dieu par participation. Alors, c'est la formule même de Jean de la Croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on participe à la vie de Dieu, à sa vie trinitaire. Et moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui ignorent ça, qui ignorent justement que c'est à la portée de la main. Vous avez un texte de Jean de la Croix qui illustre ce que vous venez de dire. Oui, c'est un texte qui est un extrait du Cantique spirituel de la strophe 39. « Ô âme, créée pour ses grandeurs et qui y êtes conviée, que faites-vous? À quoi vous amusez-vous? Vos prétentions sont des bassesses et vos possessions des misères. » Et là, je crois qu'il ne faudrait pas comprendre ce texte à contresens. Jean de la Croix ne méprise pas du tout les créatures ni les réalités humaines. Pour moi, ça m'a aidé à relativiser, si vous voulez, toutes les ambitions humaines qui sont légitimes en soi, mais qui sont remises à leur place, qui sont situées dans leur ordre, comme dirait Pascal. Vous voyez ? Et cela grâce à ce chemin de l'intériorité que nous ouvre Saint Jean de la Croix, parce que pour lui, il y a quelqu'un qui nous fascine à l'intérieur de nous, c'est Dieu. Et quand on a été fasciné par Dieu, eh bien, on n'est plus
si vous voulez, on est plus fasciné justement par tout ce que disait le père Dornelas tout à l'heure, toute la société de consommation, tous les objets qui sont tout simplement regardés dans la vérité. Mon esprit s'est desséché car il oublie de se nourrir de toi. Je vois, ma mère, que vous feuilletez, vous avez devant vous ouvert les œuvres complètes de Jean de la Croix. Or, ça fait effectivement 51 ans que vous les lisez. Alors, où en êtes-vous de cette lecture, aujourd'hui ? Bien, les premières lectures, on a l'impression de se trouver un peu devant un maquis quand on n'est pas préparé. D'abord, le langage... 16e, 17e siècle, et puis aussi la présentation, les nuits obscures, nuits de sens, nuits de l'esprit, tout ce qui comporte l'itinéraire spirituel. Et puis après bien des relectures, les choses se simplifient beaucoup. On voit davantage les lignes maîtresses. Je pense que cette ligne maîtresse, ce sont les paroles mêmes de Jésus dans son discours après la scène, qui nous dit « Le Père vous aime, aimez sans mesure, et que tous les hommes arrivent à cet amour qui est un amour qui est béatifiant. » Et c'est tant que l'homme ne sera pas dans cette joie, comme dit saint Augustin, notre cœur est inquiet tant qu'il ne t'a pas trouvé. Il y a, par rapport au bonheur, il y aurait cette strophe 5. L'homme qui est à la recherche de la trace de Dieu dans la création. L'homme est un chercheur de cette trace qu'on voit dans... Il a répandu mille grâces, dit saint Jean de la Croix, dans sa création. Mais il cherche une trace plus profonde encore. Cette trace qu'il a mise en nous parce que... Il nous a créés par amour et c'est l'amour qui est inscrit, le besoin d'amour qui est inscrit le plus profondément dans nos cœurs d'hommes. En répandant mille grâces, il a passé par ces bois en grande hâte, posant sur eux son regard, d'un reflet de son visage, il les laissa tout revêtus de beauté. Et saint Jean de la Croix commente. Partant, l'âme blessée d'amour par cette trace qu'elle a connue en les créatures de la beauté de son aimé, désireuse de voir cette beauté invisible, elle chante « Qui pourra me guérir ?» achève de te livrer sans feinte aucune. Ne veuille plus désormais m'envoyer de messagers qui ne savent me dire ce que je veux. Nous allons entendre un hymne. Cet hymne est chanté par des carmélites, par un chœur de carmélites. Je pense qu'il est très important parce qu'il y est question de la nuit, de la fameuse nuit obscure et pleine de clarté dont parle Jean de la Croix. Et entre le refrain se glisse pratiquement un psaume. Ma sœur. Je crois que le refrain, dans son paradoxe, dit un peu toute notre vie. Nuit plus claire que l'aurore. La nuit de la foi est pour nous la plus grande clarté sur Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu
Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Je vis sans vivre en moi et de telle manière espère que je meurs de ne pas mourir. En moi-même je ne vis plus et vivre sans Dieu je ne puis. Si sans lui et sans moi je reste, ce vivre, que sera-t-il? Mille morts il me sera, puisque ma vie même, j'espère, en mourant, de ne pas mourir. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Cette vie que je vis est de vivre privación. Et ainsi continuer de mourir jusqu'à ce qu'avec toi je vive. Entends, mon Dieu, ce que j'ai dit. Cette vie-là, je n'en veux point, car je meurs de ne pas mourir. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero vivo ya porque no muero? Je pleurerai ma mort déjà et je déplorerai ma vie tout le temps qu'elle restera détenue par mes péchés. Oh mon Dieu, quand est-ce que je pourrai dire en vérité oui, je vis de ne pas mourir? Père Dominique Poirot, vous rééditez pour le moment, enfin il reste un volume à paraître, mais enfin vous rééditez les œuvres complètes de Jean de la Croix, dans une traduction que vous avez revue d'ailleurs, de Mère Marie du Saint-Sacrement, traduction disons classique. Vous donnez à chaque volume une introduction, c'est-à-dire un éclairage. Alors ce qui est frappant, c'est que Jean de la Croix, tout en se situant à l'intérieur de l'orthodoxie, bien sûr, présente une singularité, fatalement, puisque le Carmel ne ressemble pas aux autres ordres religieux, et que, en plus, Jean de la Croix se situe, et ça je pense que c'est important, dans cette Espagne qui est en pleine mutation. Le nouveau monde apparaît, peut-être aussi l'union, et ça c'est très important, je voudrais votre avis là-dessus, l'union des trois anciennes communautés, c'est-à-dire les juifs, c'est-à-dire les musulmans, c'est-à-dire les catholiques, qui finalement vivaient assez ensemble, ces communautés se disjoignent dans cette époque qu'on appelle l'âge d'or espagnol. Il y a donc une singularité de Jean de la Croix, il est presque poussé à sortir de l'ordre, disons, scolastique. Oui. Je répondrai d'abord que Jean de la Croix est un chrétien et que toute sa vie et sa pensée se déploient en référence à l'expérience qu'il fait du Christ vivant. En même temps, c'est un homme libre, mais un homme libre dans une culture qui est celle du XVIe siècle espagnol. Et en effet,
le XVIe siècle espagnol, culturellement, est très, très marqué par l'islam, par le judaïsme. Lui-même était sans doute issu d'une famille juive par sa mère, qui vient de Tolède. S'il fallait décrire son univers culturel, je dirais que il hérite en effet de la scolastique, mais est très libre par rapport à la scolastique. Et il fait comme un retour en arrière en s'inspirant énormément de saint Augustin et des pères de l'Église, et les pères latins et les pères grecs traduits en latin à son époque. Ce qui me paraît aussi très important, c'est la culture assez extraordinaire de Jean de la Croix et son passage à l'université de Salamanque. Oui, Jean de la Croix est né dans un milieu pauvre. Il a été dans son adolescence remarqué par des pères jésuites et qui lui ont donné accès à la culture profane, aux humanités. Après son noviciat, à 20 ans, il est allé à Salamanque et là, il a profité à plein de la richesse culturelle de l'université de Salamanque qui, à l'époque, supplantait la Sorbonne, semble-t-il. La pensée à Salamanque était en pleine recherche, était novatrice. On quittait justement une scolastique sclérosante pour retrouver des courants de vie venant de l'augustinisme. Il y avait différents courants nominalistes. Disons que les passions étaient grandes au niveau de la signification de la pensée et des mots que l'on employait. Et ce qui frappe quand on lit Jean de la Croix, c'est de voir aujourd'hui, donc 4 siècles après, que son langage résiste à toute critique et même on pourrait dire que la critique de la philosophie contemporaine lui laisse toute sa vigueur. Et la vision de l'homme qu'il a, la manière dont il en parle, la structure qu'il utilise est très efficace à notre époque, me semble-t-il. Il a certainement profité du rayonnement de Louis de Léon, qui à l'époque était un prêtre augustin et un grand poète, un exégète de valeur. À son époque, ce qui était rare, il parlait l'hébreu. Oui, il parlait l'hébreu, mais il parlait catalan. Et il écrivait catalan. C'est-à-dire qu'il a quand même. Oui, il a quand même. C'est grâce à lui que Thérèse d'Avila et Jean de la Croix se sont exprimés dans leur langage de la nation. Il a des voies nouvelles pour l'expression de la vie chrétienne, de l'expérience spirituelle. Je voudrais faire état d'une réflexion très intéressante, très pertinente, il me semble, de Dámaso Alonso, qui est un des meilleurs exégètes, certainement, de la poésie de Jean de la Croix, quant à l'influence de Salamanque sur le lexique même du poète. Bernard Sauzet. Il résume une partie de ses travaux en signalant que l'on retrouve dans les grands poèmes 3 strates lexicales, si l'on peut dire. Le lexique populaire, le lexique champêtre ou rural, qu'il a pu connaître par le milieu même dans lequel il est né. Il rappelle à cet égard le titre du village dans lequel est né Jean de la Croix, Fontiveros ou Ontiveros, qui dans sa graphie même et son phonétisme conserve un archaïsme dans la prononciation que l'on retrouve d'ailleurs, Fontiveros, que bien sé yo la fonte, dans le mot même archaïque que garde Jean de la Croix. D'autre part, les cultismes ou les mots savants, les latinismes qui parsèment les grands poèmes de Jean de la Croix, contrastant d'ailleurs de façon esthétiquement très heureuse avec ces mots du langage populaire, que l'on retrouve aussi tout au long de sa poésie. Des mots de forme latine comme vulnerado, ejercicio, nemoroso, socio, dans leur acception latine. Et d'autre part, les mots qu'il appelle hieratismos, les mots venus de la Bible qui conserve les images de l'Écriture sainte, notamment du Cantique des Cantiques, et qui reflète toute la formation biblique de Jean de la Croix. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Je vis sans vivre en moi et de telle manière espère que je meurs de ne pas mourir.
lorsqu'on parle de Saint Jean de la Croix, on est obligé de tenir un discours uniquement fait de paradoxes. Severo Sarduy. Et lorsque quelqu'un tient un discours uniquement fait de paradoxes, il a l'air très bête. Ou il l'est, ce qui est mon cas. Donc effectivement, abordant Saint Jean de la Croix, je sais parfaitement que je serai très paradoxal, que tout ce qu'on peut dire est contradictoire ou simplement bête. Et on peut aborder ça, effectivement, déjà par un premier paradoxe. Ces poètes, ces saints, ces grands mystiques étaient en même temps un profane, un païen, si on veut, et quelqu'un traversé par un érotisme d'une violence terrible. Mais je dirais, les paradoxes commencent encore avant. On va commencer effectivement par cette série de paradoxes. Premier, qui est, je trouve, le plus voyant de ces paradoxes, c'est, et je crois que tout le monde est d'accord, le plus grand poète de l'histoire et de toutes les langues. Moi, comme j'ai une vraie adoration pour lui, je dirais que c'est le plus grand artiste de tous les temps et de toutes les cultures. Mais ce plus grand poète de l'histoire a fait très peu de choses. Pour ainsi dire, j'exagère un peu, il n'y a rien. Il y a quelques brimes, quelques fragments, quelques îlots de langage. N'est-ce pas? Alors, premier paradoxe. Second paradoxe, et celui-ci est vraiment très spectaculaire. Je ne vais pas faire semblant de connaître l'arabe, ni d'être un islamologue, et a fortiori l'arabe ancien. Mais il y en a des spécialistes qui ont vraiment consacré leur vie à cette recherche. Une de ces spécialistes, tout simplement Luce López Barral, de l'Université de Puerto Rico et de Yale, qui est une amie, a consacré sa vie à ça, aux métaphores de la poésie de Saint-Jean. Que trouvons-nous? Donc, second paradoxe, ces métaphores qui nous paraissent si éblouissantes, si prêtes de la divinité, si vraies, ne sont pas originales. Elles sont absolument toutes prouvées par Luce López Barral dans la poésie arabe. Par exemple, la métaphore très connue de la nuit obscure. Elle est déjà dans la tradition arabe. Et littéralement, la métaphore d'un vin qui soit avant la vigne. Il dit « bebi de un vino de antes de la vigne ». Ce vin qui est avant la vigne est dans la tradition et dans la poésie arabe. Donc, c'est le second paradoxe. Ce poète si éblouissant, si absolu, si près de Dieu, n'est pas original. C'est un poète arabe. Les métaphores sont prises dans la tradition de l'islam. Et en fait, disons, il a, pour ainsi dire, remodelé ça. Mais je dirai après pourquoi, malgré tout ça, c'est un absolu. Une seule pensée de l'homme vaut plus que le monde entier. Aussi, Dieu seul est digne d'elle. Voici donc Jean de la Croix ayant rencontré Thérèse de Jésus, que nous connaissons mieux effectivement sous le nom de Thérèse d'Avila, engagée dans la fondation d'un Carmel. Alors je voudrais savoir, François de Saint-Chéron, quel rapport vous voyez entre Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, parce que certains textes de Thérèse d'Avila ne sont pas tellement tendres pour ce prieur qu'est Jean de la Croix. Alors, il y a une chose frappante d'emblée, c'est leur première rencontre. Thérèse, frappée par la taille si petite de Jean de la Croix, et quand on va à Ségovie, on voit ce tombeau qui étonne par son exiguïté, on croirait presque un tombeau d'enfant. Mais pour essayer de répondre plus profondément à votre question, je pense que les rapports entre Jean et Thérèse mettent en jeu deux aspects essentiels et contradictoires, sinon divergents, du christianisme. Jean de la Croix, c'est le christianisme vraiment austère, désertique et qui prêche la nada, comme il le fait d'un bout à l'autre de son œuvre. Au contraire, elle envisage un christianisme plus joyeux, dansant, riant, qui doit mener l'être à une certaine plénitude, lui aussi certainement, mais par d'autres voies. Et je pense que les petits désaccords
qui ont pu exister entre eux proviennent peut-être de différences de tempérament, ce qui est souvent le cas entre personnes, mais plus profondément peut-être de ces façons d'être chrétien qui diffèrent essentiellement de l'un à l'autre. Elle, en somme, si j'ose dire, aimait la vie. Lui ne semble pas l'avoir aimée ou l'avoir aimée d'une façon tout autre, vraiment très sèche, et très austère et très dépouillée. Il y a là, je crois, quelque chose d'important qui les différencie. Pourtant, c'est la même religion. C'est la même religion, mais dans un ensemble de textes, enfin, je ne sais pas comment on les a regroupés, ni de quand ils datent exactement, mais cela s'appelle les vexations. Il y a un texte très curieux de Thérèse d'Avila, alors j'aimerais bien qu'on l'écoute. Du père Jean de la Croix. Sa réponse est d'une fort bonne doctrine pour ceux qui voudraient faire les exercices de la compagnie de Jésus, mais elle ne répond pas à notre propos. Cela nous coûterait cher de ne pouvoir chercher Dieu que lorsque nous sommes morts au monde. Ni la Madeleine, ni la Samaritaine, ni la Cananéenne ne l'étaient quand elles l'ont trouvé. Il parle aussi beaucoup de ne faire qu'un avec Dieu dans l'union. Lorsque cela se produit et que Dieu accorde à l'âme cette faveur, il ne lui dira pas de le chercher puisqu'elle l'a déjà trouvé. Dieu me garde, gens si spirituels qui ne veulent qu'atteindre la contemplation parfaite et advienne que pourra. Malgré tout, nous lui sommes reconnaissants de nous avoir si bien fait comprendre ce que nous demandions. C'est pourquoi il est toujours bon de parler de Dieu. Nous en tirons profit de la manière la plus inattendue. Ce qui nous frappe, moi et mes collaborateurs, dans cette émission, c'est le rapport singulier que Jean de la Croix entretient avec la féminité. Il est donc incarcéré par les carmes modérées. On le maintient en prison à Tolède pendant près de 9 mois. Il parvient à s'évader. Il se réfugie chez les moniales. Nous avons de lui une bonne 30aine de lettres, mais il y en a peut-être 2 ou 3 adressées à des hommes. Le reste, ce sont des lettres adressées à des religieux. Son dernier traité est dédié, écrit pour une mondaine, âme ardente, comme il dit, je le veux bien, mais une femme. Et on a l'impression que Jean de la Croix ne se sent à l'aise qu'avec les moniales, qu'avec les femmes, qui a là un rapport très singulier avec leur féminité, et ses poèmes sont au féminin. Effectivement. Alors je vois 2 choses essentiellement. Peut-être Jean de la Croix a-t-il été amené, à cause de raisons historiques, à s'intéresser davantage aux mères fondatrices, aux prieurs, aux féminins. Mais plus profondément, ce qui est mis en jeu, justement, par ce que vous appelez sa féminité, c'est son être de poète, si j'ose dire. J'imagine mal un poète en qui la psyché féminine n'aurait pas pris une très grande place. Et c'est son cas. Les plus grands poètes espagnols et les poètes contemporains sont d'accord là-dessus. Et pour arriver, ce qui est le paradoxe même du mystique poète, du poète mystique, pour arriver à exprimer l'ineffable, peut-être faut-il passer justement par cette féminité radicale de l'être qui reçoit et qui rend ce qu'elle a reçu. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Un pastoureau seul et en peine, loin de tout plaisir et contentement, en sa pastourelle la pensée fixée et le cœur d'amour très blessé. Ne pleure pas que l'amour l'ait meurtri, car il n'a peine ainsi d'être affligé. Bien qu'en son cœur il soit blessé, il pleure à la pensée de se voir oublié. Car rien qu'à la pensée d'être oublié de sa belle bergère en grande peine, en terre étrangère se laisse maltraiter le cœur de l'amour fort blessé. Et le pastoureau dit, « Ah, malheur à qui de mon amour s'est fait absent et ne veut pas jouir de ma présence et de mon cœur par son amour blessé. » Et après un long temps, il monta tout en haut d'un arbre
et ouvrit ses beaux bras, et mort il demeura, pendu à eux, le cœur d'amour très fort blessé. Revenons un instant, François de Saint-Chéron, sur la correspondance de Jean de la Croix, donc ces lettres écrites surtout à des moniales. Il y en a une à la mère Madeleine du Saint-Esprit, dans laquelle Jean de la Croix approche le plus sensiblement, me semble-t-il, cette notion délicate, difficile, du nada. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est le désert. C'est une lettre sur le désert intérieur. Nous savons d'ailleurs avec quelle affectueuse ironie Thérèse appelait Jean de la Croix son petit Sénèque. Donc nada n'est pas loin de stoïcisme, il y a là toute une unité intéressante. Mais d'un autre côté, il y a dans cette nada une espèce de volonté de dénuement absolu, sinon de souffrance, qui induit, je pense, une tension particulièrement féconde avec le langage. Et il serait intéressant de voir comment cet homme qui est l'homme du rien, l'homme du néant mystique, justement, est pourtant un poète somptueux. Sa poésie, ce n'est pas une nada. Ça, c'est curieux. Là encore, nous sommes dans le paradoxe. Il y a constamment tension, je trouve, chez Jean de la Croix, paradoxe, déchirement, peut-être même, entre l'aspiration la plus profonde, celle qui fonde sa vie de mystique, et la manifestation extérieure de cette aspiration intérieure, à savoir la floraison des poèmes. À la mère Madeleine du Saint-Esprit, à Cordoue, Ségovie, 28 juillet 1589. Jésus soit en votre âme, ma fille dans le Christ. Je me suis réjoui de voir les résolutions que vous montrez par votre lettre. J'ai béni Dieu qui pourvoit toutes choses, car ces résolutions vous seront assez nécessaires en ces commencements de fondation pour supporter les ardeurs excessives, l'incommodité du lieu, la pauvreté et les travaux en toutes choses, de sorte néanmoins que personne ne s'aperçoive si vous éprouvez de la peine ou non. Considérez que Dieu, en ses commencements, ne cherche pas des âmes paresseuses, ni délicates, ni, encore moins, amoureuses de soi-même. Et pour ce sujet, Sa Majesté donne plus de secours en ses commencements, de sorte qu'avec un peu de diligence, on peut profiter en toutes sortes de vertus. Et à la vérité, ce fut un grand bonheur et un signe de Dieu de laisser les autres et de vous choisir, vous. Car, bien que ce que vous laissez vous dût beaucoup coûter, ce n'est toutefois rien, en effet, car de toute façon, il fallait les quitter bientôt. Or, afin que nous ayons Dieu en toutes choses, il faut que nous n'ayons rien en toutes choses. Car le cœur qui est à quelqu'un, comment peut-il être tout à un autre? J'ai dit la même chose à Sœur Jeanne et aussi qu'elle prie Dieu pour moi. Qu'il soit en votre âme. Amen. Pour revenir une dernière fois sur ces rapports, malgré tout assez difficiles, me semble-t-il, mais je peux me tromper, entre Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, il y a cette anecdote où, effectivement, comme vous le disiez, on voit qu'elle a beaucoup d'appétit et que lui veut freiner cet appétit. L'Incarnation, Avila, 1572. À l'Incarnation, la deuxième année de mon priorat, le jour de l'octave de Saint-Martin, j'allais communier lorsque le père frère Jean de la Croix, qui me donnait le très saint sacrement, partagea l'hostie en deux et en donna une moitié à une autre sœur. Je pensais que ce n'était pas faute d'hostie, mais qu'il voulait me mortifier, parce que je lui avais dit que j'aimais beaucoup recevoir de grandes hosties, sans ignorer toutefois que, si petite soit la parcelle, cela n'empêchait pas que le Seigneur y soit tout entier. Sa Majesté me dit « N'aie pas peur, ma fille. Personne ne pourra jamais te séparer de moi. » Et il me fit entendre que c'était sans importance.
cette scène, cette image d'ailleurs de Sainte Thérèse recevant de Jean de la Croix la communion avait fasciné Malraux. Malraux était agnostique, mais c'était quelque chose qui lui semblait grandiose, cette scène dans un couvent de la Castille. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez surprenant dans cette espèce de sevrage, de carence dont elle avoue avoir souffert parce qu'il lui a donné une demi-hostie alors qu'elle lui préférait une hostie entière. Elle aimait les grandes hosties, dit-elle. Peut-être faut-il faire la part de l'humour. Je ne sais pas exactement. Attendez, je cherche. 738. Alors c'est toujours l'âme qui est à la recherche de cette trace qui finalement est une empreinte au fond d'elle-même. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est au-dedans. Et c'est vers le dedans qu'elle s'oriente. Et là, c'est-à-dire au pied de la croix, parce qu'il faut souffrir pour arriver jusqu'à cette image de Dieu au fond de nous. Et là, tu me donnerais ce que mon âme désirait instamment. Et là, tu me donnerais bientôt, toi qui es ma vie, ce que l'autre jour déjà tu me donnas. Alors là, on est au cœur de la vie chrétienne et de la vie de l'homme tout court, je pense, avec cette empreinte que Dieu a marquée en lui en le créant, et cette empreinte qui gémit, qui appelle vraiment sa réalisation. Et ça se fait à travers beaucoup de souffrances, et c'est pour ça qu'il dit, et là, c'est-à-dire par les souffrances de la croix, tu me donneras cette joie, cette innocence première. Ma mère, vos 51 ans de Carmel, c'est donc, si j'ai bien compris, 51 ans dans la joie spirituelle au moins. Oui, à travers beaucoup de souffrances, évidemment, mais comme toute vocation humaine, un artiste connaît des souffrances aussi. Un homme qui a un but noble connaît des souffrances, alors c'est normal que les carmélites connaissent des souffrances. Et l'homme, pour refaire le chemin inverse du paradis perdu, il faut qu'il passe par beaucoup de souffrances. Ce que le psaume appelle le ravin de la mort, et puis au bout du ravin, il y a la joie. Germaine Jeanblin, je vais vous poser une question tout à fait personnelle, tout à fait intime. Pour vous, Jean de la Croix, comment est-ce que vous êtes venue à Jean de la Croix et quelle nourriture vous est Jean de la Croix ? Moi, pour moi, personnellement, je crois que Jean de la Croix m'a appris à souffrir, je crois. Et que, justement, il m'a appris à, si vous voulez, à tenir dans la grisaille quotidienne et dans cette expérience peut-être dont on parlait tout à l'heure, qui est au fond l'expérience du rien, l'expérience de la sécheresse. Et Jean de la Croix m'a appris que cette expérience était riche de Dieu, et que ce n'était pas le vide, mais que c'était le tout. Et que c'était dans cette banalité de la vie quotidienne, dans cette souffrance, oui, cette souffrance générale que l'on peut rencontrer dans la vie, dans les événements, dans les contacts, dans l'impuissance que l'on peut ressentir aussi dans la prière, eh bien, tout ça, c'est rempli de Dieu. Et au fond, peut-être que c'est quand ça va mal que tout va bien. Et c'est extrêmement positif.
voyez, ça, je crois que pour moi, Jean de la Croix, c'est quelqu'un qui m'aide eh bien, à tenir dans la vie ordinaire. Todo para mí y nada para ti. Todo para ti y nada para mí. Tout pour moi et rien pour toi. Tout pour toi et rien pour moi. Teresa Martin, j'aimerais bien que vous nous lisiez, mais en espagnol, et pour répondre aux souhaits ou aux vœux, comme vous voudrez, du père Dornelas, un fragment de La flamme d'amour vive. Ô llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Oh flamme d'amour vive, qui blesse tendrement au plus profond centre, mon âme. Si tu n'es plus rétive, achève, si tu veux, brise la toile de cette douce rencontre. Ô suave cautère, ô exquise blessure, ô douce main, ô touche délicate qui a goût de vie éternelle et paye toutes tes dettes, en tuant, mort en vie changea. Ô lampe de feu, ô lueur de qui les hautes cavernes du sens, qui étaient obscures et aveugles, avec d'étranges ravissements, chaleur et lumière donne près de la main. Comme docile et amoureux sur mon sein tu t'éveilles, où en secret seul tu demeures, et de ton souffle savoureux, plein de bien et de gloire, que délicatement tu m'infuses l'amour. Je ne crois pas qu'il faut comprendre le mot âme chez Jean de la Croix avec la distinction âme-corps, mais je crois que pour lui, l'âme, c'est la personne humaine en tant qu'elle a une possibilité de vie intérieure. C'est la personne humaine en tant qu'elle a une intériorité où justement Dieu réside. Et alors j'ai ce texte-là sous les yeux du cantique spirituel de la strophe 1, où il interpelle justement une personne humaine, mais il ne dit pas « ô personne humaine », il dit « ô âme ». Alors c'est très très beau, il dit « ô âme, la plus belle d'entre les créatures ». Et je dirais que ça montre que si Jean de la Croix est fasciné par Dieu, il est fasciné par l'homme aussi. Il aime l'homme. « Ô âme, la plus belle d'entre les créatures de Dieu, toi qui désires si ardemment savoir où se trouve ton bien-aimé afin de le chercher. Ton trésor, l'objet de ton espérance, est si proche de toi qu'il est en toi-même. Ou pour mieux dire, tu ne saurais être sans lui. » Et alors il continue, c'est admirable. « Que peux-tu désirer encore, chère âme ? Que cherches-tu au dehors, puisque tu possèdes en toi-même tes richesses, tes plaisirs, ta jouissance, ton rassasiement et ton royaume, c'est-à-dire le bien-aimé auquel tu aspires ? Réjouis-toi, exulte en ton recueillement intérieur. » Et alors il continue, « La seule difficulté, c'est qu'il y est caché. » Peut-être le plus grand message que Jean de la Croix a pour le monde moderne est de dire que l'homme que nous sommes, qui n'est pas grand-chose, en même temps est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est appelé à participer à la vie même de Dieu. Alors, c'est extraordinaire quand on y pense, c'est absolument inimaginable. Je trouve qu'il a été donné à Jean de la Croix, qui d'ailleurs reconnaît lui-même d'avoir écrit ces pages dans une lumière mystique qui lui a été donnée. Il n'aurait pas pu écrire autrement s'il n'avait pas été mis dans cet état. Il a pu exprimer quelque chose de ce que c'est que cette participation à la vie trinitaire. Et pour moi, c'est vraiment le sommet de la littérature spirituelle. Je pense en particulier aux commentaires de la strophe 39 du Cantique, où il parle, après les strophes précédentes,
il dit, nous irons sur les hautes cavernes de la pierre. Les hautes cavernes de la pierre c'est le Christ. Il parle des cavernes justement parce que le Christ c'est inépuisable. En lui, Dieu nous a tout dit. Seulement, dans le Christ, Dieu nous donne de participer aux opérations mêmes de la vie trinitaire. Et en particulier, c'est ça que je trouve renversant, à l'aspiration de l'Esprit-Saint. C'est là que la strophe 39 débute. Il dit l'aspiration de l'air, le souffle de l'air, ensuite le chant du rossignol. Le souffle de l'air, c'est l'aspiration de l'Esprit. En Christ, nous pourrons participer à aspirer l'Esprit-Saint. En lisant ces commentaires, on s'aperçoit qu'il y a eu évidemment une grande expérience de la divinité de Dieu et du Dieu de Jésus-Christ. Et il présentera l'expérience de la Trinité comme étant l'expérience la plus haute de la vie chrétienne qu'il appelle l'union avec Dieu. Le Christ est pour lui le compagnon, l'ami, l'époux. Et la grande dignité de l'homme, pour Jean de la Croix, est d'avoir accès à cette vie intérieure de Dieu, pourrait-on dire, et de partager toutes ses prérogatives. C'est comme si le croyant chrétien avait comme vocation de devenir co-créateur avec Dieu, en étant ami de Dieu, en étant placé au sein même de la vie trinitaire avec Dieu. À propos de cette question de la Trinité que vous évoquez à l'instant, je me rappelle une anecdote qui m'a été racontée cet été au couvent de l'Incarnation à Avila, où Jean de la Croix a été chapelain pendant quelques années. Je crois que c'est un témoignage qui doit être rapporté d'ailleurs par les biographes de Jean de la Croix. Il disait qu'à ses yeux, le plus grand saint du paradis, c'était la Sainte Trinité. Et le poème bien connu de Que bien se io la fonte, je sais la source qui jaillit et fuit malgré la nuit, figure par ces images, par l'image de la source, par l'image du jaillissement de la source et par celle de l'écoulement de la source, figure, je crois, la Trinité, justement. Jean de la Croix nous indique là où est la source et c'est là où il chante à la fois le mystère trinitaire et surtout tout le mystère eucharistique. Jean de la Croix conduit l'homme à l'extrême pointe de la vérité dans l'expérience. Mais alors l'extrême pointe de cette vérité, disons. Vous savez, c'est ce que Jean Baruzy appelait donc l'expérience mystique. Oui. Cette expérience mystique, c'est un corpus, finalement, j'exclus pour le moment les commentaires, un corpus assez mince, finalement, de poèmes absolument extraordinaires et qui ont ébloui tout le monde et qui font que Jean de la Croix est non seulement le spirituel que l'on dit,
mais aussi un des plus grands poètes, sinon le plus grand poète espagnol. Mais est-ce qu'on ne commet pas là une confusion en séparant l'un de l'autre? Je suis quand même assez frappé que c'est dans la prison de Tolède, je crois, oui, où il a écrit des poèmes. Et ce qui me frappe plus encore, c'est que quand on parle d'expérience mystique, on perçoit cela comme une extase. Or, il est évident que même si les poèmes de Jean de la Croix sont produits par une extase ou des extases successives, il n'empêche que l'on est frappé par l'immense travail, je dirais travail d'écriture, de composition, la difficulté, disons, d'accoucher le poème, puisqu'il y a des poèmes, n'est-ce pas Bernard Sauzet, vous qui les avez traduits aux éditions Obsidienne remarquablement, il y a des poèmes dont nous connaissons deux versions. Nous savons qu'il a peiné, finalement, à écrire ses poèmes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est si nous pouvions parler de ses poèmes, montrer peut-être ces liens entre poésie et mystique, qui me paraissent essentiels chez Jean de la Croix, cette espèce d'isolement d'abord un peu hautain, malgré le recours à la poésie populaire ou à des rimes populaires, ou à des rythmes populaires, cet aspect hautain des poèmes. Et tellement hautain, je pense, que cela conduit Jean de la Croix à écrire ses traités, qui ne sont que les commentaires à ses poèmes. Alors, le poète devient-il mystique? Le poète est-il le mystique? Le mystique a-t-il besoin de la poésie pour être le mystique? Père Dominique Clarence. En premier, il faut dire que Jean de la Croix suspecte l'extase mystique dans ses formes extérieures. Et il dit que l'extase étant une sortie de soi, selon l'étymologie, la sortie de soi du chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. Et pour autant, il n'exclut pas, et loin de là, l'expérience intérieure et spirituelle de la révélation. Et alors, on trouve en effet chez lui une expression qui est de type poétique, et parce que c'est le seul moyen d'exprimer une réalité qui échappe à la sensibilité. Et il faut une deuxième lecture de ces textes poétiques pour aller jusqu'au bout de leur signification. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez Jean de la Croix, non pas du Gongora, mais ce serait trop formel, mais du Mallarmé. Enfin, je pense qu'il y a une saisie de la poésie comme acte profond. Et peut-être, comme disait Mallarmé, que finalement il faut tendre vers le livre avec L majuscule, et Jean de la Croix dit vers le Christ. Et il y a donc là une expérience qui me trouble. Enfin, il y a un rapprochement qui me trouble. Bernard Sauzet. Pour ce qui est de la relation entre le poème et le commentaire, le traducteur s'est efforcé de ne pas faire appel au commentaire précisément, pour rester immédiatement au contact avec ce que peut transmettre d'expérience intime de l'être la poésie. Car le commentaire, sauf sur certains points où il explicite, disons, la lecture littérale de tel ou tel mot, ou de telle ou telle phrase, le commentaire, notamment en ce qui concerne le cantique spirituel, à certains moments, est très loin par les allégories, par la transposition conceptuelle de la strophe poétique. D'autre part, il me semble que l'accord des exégètes se fait sur le fait que l'expérience est au plus près de la poésie, pardon, est au plus près de ce qu'est l'union mystique en tant que expérience de l'être profond. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dominique Poirot concernant les extases. Il y a des témoignages d'extases vécues par Jean de la Croix, mais je ne pense pas que ce soit cela précisément qui soit le cœur même de cette expérience de l'être profond, qui dépasse peut-être, c'était en tout cas l'avis de Jean Baruzy, tout dogme ou toute orthodoxie de l'institution. Et en ce sens, il me semble que les poèmes de Jean de la Croix peuvent être lus au départ de façon immédiate. Oui, mais il y a une chose. Pendant que vous parliez, vous avez prononcé ce mot qui me paraît important, expérience de l'être. Alors je reviens à cette comparaison quand même, Jean de la Croix, Mallarmé.
Parce que vous savez que Mallarmé, évidemment, a été révélé à la poésie par ce qu'on a appelé sa fameuse nuit. Alors, le terme est quand même important. La nuit de Tournon. C'est-à-dire qu'il a failli se suicider. Il a fait une traversée du néant. C'est-à-dire que finalement, et c'est pour ça que je tiens ma comparaison, Mallarmé serait l'inverse de Jean de la Croix. C'est-à-dire lui, il a l'expérience du non-être, l'expérience du néant. Jean de la Croix a l'expérience de l'être. Mais ceci et cela se transcrit par le labeur du poème. Père Dominique Poiron. Oui, il me semble que Jean de la Croix dit quelque part que pour comprendre ce qu'il écrit, il faut avoir désiré la mort. Il faut avoir mesuré le vide de l'existence. Et il invite donc le croyant à traverser la nuit avec courage, mais en étant certain que la lumière est au bout du chemin. Et il est vrai que Jean de la Croix a écrit les principaux de ses poèmes dans le cachot de Tolède, qui était un lieu épouvantable, enfin, et où il était abandonné des siens et sur le chemin de la dépression, dirait-on aujourd'hui. Il a écrit à une sœur à ce moment-là qu'il était dans le ventre de la baleine, à propos du cachot de Tolède, n'est-ce pas ? Oui. Et alors justement, donc la nuit de Tournon, on pourrait dire la nuit de Tolède à ce moment-là. La nuit de Tolède. Si nous comparons les deux poètes. On peut comparer, je pense. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Dans une nuit obscure, anxieuse, en flamme d'amour, oh l'heureuse aventure, j'ai sorti sans que l'on me vît, quand fut apaisée ma demeure. Dans l'obscur et en sûreté, par la secrète échelle déguisée, ô l'heureuse aventure, dans l'obscur et furtivement, quand fut apaisée ma demeure. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Dans la nuit bienheureuse, en secret, nul ne me voyait, et ne regardant nulle chose, sans autre guide ni lumière, que seul à mon cœur qui brûlait. Cette lumière me guidait, plus sûrement que celle de midi, là où m'attendait qui, je savais bien, en un lieu où nul ne paraissait. Ô noche que guiaste, ô noche amable más que l'alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Oh nuit qui fus un guide, oh nuit aimable plus que l'aube, oh nuit qui réunit l'ami avec l'aimé, l'aimé en l'ami transformé. Immobile, oublié, sur l'ami penché mon visage, tout s'arrêta, je me laissai, laissant parmi les lys à l'oubli mon tourment. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. La nuit obscure chez Saint-Jean de la Croix, à mon avis, Teresa Martin, ça recouvre une découverte absolument révolutionnaire et très importante. Je pense que le grand mérite de Jean de la Croix a été de signaler que le côté extraordinaire, tout le côté un peu phénoménal ou bizarre, n'est pas du tout l'essentiel de l'expérience mystique. Parce que tant qu'on est ici-bas, sur la terre, le seul moyen de s'unir au Christ, et donc par le Christ à la vie trinitaire, c'est la foi. Et la foi, il a eu aussi le mérite, justement,
de mettre en valeur ses caractéristiques. La foi, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une nuit pour nous. C'est une nuit pour nos sens, c'est une nuit pour notre intelligence. Mais d'autre part, je trouve que, indépendamment de ce caractère négatif de l'expérience mystique, qui est inévitable, puisque nos sens ne sont pas adaptés à appréhender Dieu, notre intelligence n'est pas adaptée à appréhender Dieu qui la dépasse infiniment, eh bien, il y a un côté parfaitement réconfortant pour nous, en ce sens que on aurait tendance à trouver la prière décourageante, aride, il ne s'y passe rien, on n'y sent pas Dieu. Eh bien, c'est là que Saint Jean de la Croix nous dit, il s'y passe quelque chose de très 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 important, il n'y a que la foi qui touche Dieu, même si on ne sent rien. Et pourtant, un contact s'établit qui transforme la personne, quoi, qui l'ouvre aux dimensions infinies. Père Dornelas, oui. Sur cette même notion de nuit obscure, enfin, c'est quand même une invite à l'expérience mystique proprement dite que cette traversée de la nuit obscure. C'est vrai que c'est une invitation à l'expérience mystique, mais il faut bien s'entendre sur les mots. Quand Jean de la Croix chante « Ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui avait l'uni avec son aimé qui a été transformé en lui », il chante vraiment la nuit, et il faudrait que le spirituel du XXe siècle puisse dire aussi « Oh, bienheureuse nuit !» Alors, cette nuit, elle nous arrive autant dans la vie spirituelle proprement dite, donc dans le temps de prière, mais elle nous arrive dans les événements qui nous bougent complètement l'horizon de Dieu, et donc Dieu n'existe pas à cause des événements, à cause de la souffrance qui nous survient. Dieu n'existe pas s'il y a tant de souffrance. Donc la nuit, elle arrive par les tas de moyens, elle n'est pas uniquement dans l'expérience mystique. Mais par cette nuit, avec la foi, comme disait Thérèse Saint-Martin, avec la foi, je rejoins Dieu. Et donc c'est par cette nuit que Dieu me fait prendre contact avec lui, vraiment. Et donc ce n'est pas une expérience au sens où j'expérimente quelque chose de Dieu, car je ne l'expérimente pas, tous mes sens se révulsent contre ce qui se passe, mais par ma foi qui est plus profonde que mes sens, que mon intelligence, par ma foi, je suis vraiment en relation avec celui qui existe, mais qui est au-delà de mes sens et de mon intelligence, et j'ai une expérience de lui, mais qui n'est pas senti. Et Jean de la Croix a cette formule extraordinaire. Il y a une joie non sentie, mais que le spirituel expérimente alors que ce n'est pas une expérience sensible. Je dirais, pour dire un autre mot, c'est une expérience théologale, ce qui est tout autre chose qu'une expérience mystique proprement dit, avec un phénomène. Non, il n'y a pas de phénomène. Donc la phénoménologie est à l'opposé de Saint Jean de la Croix. Thérèse Martine. Oui, je voudrais ajouter que quelque chose qui, à mon avis, peut nous empêcher de bien comprendre Saint Jean de la Croix, c'est que dans notre culture, où nous baignons actuellement, les mots de expérience et de certitude, parce que Jean de la Croix donne une grande charge de réalité aux certitudes de foi, c'est pas du tout quelque chose de désincarné, enfin si, peut-être de désincarné, mais je veux dire d'irréel, pas du tout. Eh bien, nous sommes un peu handicapés pour comprendre ces mots-là par le sens que ces deux mots, certitude et expérience, ont pris dans notre culture, très marqué par la science. Donc, expérience, pour nous, est à peu près synonyme de vérifiable et de mesurable. Or, Jean de la Croix témoigne avec beaucoup de grands esprits, mais pas uniquement d'ailleurs de mystiques, aussi de philosophes, qu'il y a des certitudes autres que les certitudes scientifiques, qu'il y a des réalités non mesurables, en tout cas non mesurables avec des mesures, disons, matérielles, et puis des réalités fondamentalement non mesurables. Je pense même que sur ce dernier point, certains physiciens actuels seraient d'accord. Oh, hôtel cristallin.
l'exégèse qu'il a fait de ses propres poèmes est décevante par rapport, je dirais, à l'absolu de ses poèmes. Et on dirait quelqu'un qui commente comme ça, un peu, je dirais, avec des bribes de théologie, ce qu'il vient de dire. Mais alors, donc, on se dit, comment expliquez-vous qu'il soit sans gêne? Alors, moi, la réponse que j'ai pu donner à la lecture quotidienne de cet auteur, et de Sainte-Thérèse, bien sûr, et de leurs relations, est la suivante. Ce qui a changé n'est pas ni la nouveauté métaphorique, ni les registres textuels, ni culturels, et ni, bien sûr, la théologie et la relation à Dieu qui étaient absolument stéréotypées et conditionnées, bien sûr, sous censure. Ce qui a changé, je crois, est le lieu d'émission, l'endroit d'où cette poésie s'émet. Pourquoi et d'où? Lorsqu'on a un phénomène de voyance. Voyez comment, effectivement, la magie et l'alchimie ne sont pas loin. Un phénomène de voyance. On l'a, on dit, bon, telle chose est en train de se passer. Je vois telle chose. L'interlocuteur vous répond, tu le vois? Mais alors donc, donne-moi des détails, des personnes, des lieux, des costumes qu'ils portent, de où ça se passe, si tu vois. Alors on répond, je ne peux pas, parce que je ne vois pas avec ses yeux capables d'arriver à la figuration, à la représentation, au représentant finalement, au signifiant visuel, je vois avec une autre chose. Alors on vous dit, donc tu le penses, tu es en train de penser que ça se passe. On dit non, je ne le pense pas. Ce n'est pas un phénomène qui flue dans ma pensée. Mais alors, où est ce lieu d'où on a une voyance? Eh bien, la réponse de Saint-Jean de la Croix et de son absolu, du caractère sublime, littéralement, de sa poésie, est celui-là. Ces vers sont émis, si on peut dire, à partir de ce lieu. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la langue, ce n'est pas une écoute, ce n'est pas un regard. C'est un lieu de voyance. Le mot voyance est très mauvais, bien sûr, pour indiquer ce que je viens de dire, puisque justement, il dérive de voir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Severo Sarduy. Quant à l'aspect primordial de la voyance ou de la vision, il y a certainement au départ une intuition fulgurante d'une réalité. Sur quoi viennent se greffer les études de Jean de la Croix? Pour ce qui est de l'influence de la mystique musulmane ou juive, je pense qu'il faut donner plus d'importance à l'osmose, si l'on peut dire, d'une civilisation profondément imprégnée de ses courants, de ses sensibilités, auxquels nous sommes aujourd'hui très étrangers, car je ne pense pas que Jean de la Croix ait eu une culture d'arabisant, d'une part. D'autre part, il n'avait pas non plus la culture ni la pratique d'hébraïsant qu'avait notamment Fray Luis de León. À cet égard, on peut citer un exemple très caractéristique. Fray Luis de León nourrit son commentaire du Cantique des Cantiques de la version originale en hébreu, qu'il d'ailleurs traduit lui-même, ce qui lui a valu d'ailleurs des démêlés avec l'Inquisition. Tandis que Jean de la Croix, lorsqu'il s'inspire aussi directement du Cantique des Cantiques biblique, dans ses trois grands poèmes majeurs, La Nuit Obscure, Le Cantique Spirituel et La Vive Flamme d'Amour, lit le Cantique des Cantiques dans la version de la Vulgate. Et jamais il ne fait appel, quant à lui, à la version originelle de la Bible. Jean de la Croix a occupé de nombreuses responsabilités. Lorsqu'il s'est mis tout entier au service de la réforme du Carmel, il a été prieur de nombreuses fois dans divers couvents. Mais il est contesté. Il va peut-être trop loin aux yeux de certains. Alors il abandonne ses fonctions, forcé peut-être. Il devient simple religieux. Et dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, usé par tant d'efforts, et après qu'il ait demandé à ses frères de lui lire ce livre qu'il n'avait pas cessé de lire et qui l'avait inspiré,
sa vie entière, je veux dire, dans la Bible, le cantique des cantiques, il s'éteint. Il était âgé de 49 ans. L'âme seule, sans maître, qui a de la vertu, est comme le charbon brûlant qui est seul. Il tendra à se refroidir plutôt qu'à brûler encore. C'est un poète qui s'abstient évidemment de tout effet, rhétorique ou de toute brillance. Sa poésie est absolument mate. Mate, neutre. Sa couleur, elle est gris. Et pas par hasard, puisque les deux couleurs de l'Espagne sont le blanc et le noir. Il est absolument gris. Il est silencieux. Il n'y a presque rien. Il n'y a aucune comparaison qui puisse venir à l'esprit de cette matité. Mais alors, où est la lumière et comment cette poésie ouvre vers la lumière. Et où est, et voici les mots que je voulais amorcer comme je peux, où est le souci? Bon, on a traduit cette conception heideggerienne en français par souci. Je préfère mille fois la traduction de Heidegger en espagnol, qui d'ailleurs est la première, et où le mot est, qu'on emploie, c'est le mot cura. On dit que le temps se cura à un souci de l'être. Il y a dans Saint-Jean, donc un vers, on peut évidemment réfléchir pendant des mois sur un vers de Saint-Jean, ou écrire une bibliographie de 1000 volumes, comme il y a, qui est tout simplement « Por el otero asoma ».« Por el otero asoma ». Je dirais, pour être bref, que ce qui assoma, ce qui se penche, ce qui se laisse voir, ce qui s'insinue, ce qui vient à la manifestation, derrière cet otero, donc si on veut une colline, une montagne, peu importe, eh bien, c'est ça l'être. Et que justement, ce vers est le vers du souci, le vers de la cura. C'est ça, justement, ce que l'être manifeste en tant que trace et en tant que venu à la représentation, que venu à la manifestation, ce qu'il y a derrière, donc cet otero, et qui se laisse à peine voir, qui assomme, eh bien, c'est sa lettre, et c'est le vers du souci. Seigneur, mon Dieu, tu n'es pas étranger à celui qui de toi ne s'est fait étranger. Comment dit-on que c'est toi qui t'absentes? Au début de cette émission, nous avons posé le problème de l'actualité de Jean de la Croix. Au terme de cette émission, je me demande si le terme qui s'impose n'est pas celui de permanence. Mourir de ne pas mourir est le titre d'un poème de Jean de la Croix, mais c'est également le titre d'un recueil de Paul Éluard. Et dans ce très long texte, très beau, que Aragon a publié en 1963, « Le fou d'Elsa », il écrivait « Jean de la Croix, je te demande, autrement qu'un corrigideur, ce qu'est l'homme et ce qu'est l'amour, ce qu'est la nuit, ce qu'est le jour, Jean de la Croix. Il dit que l'âme est une lampe et d'elle ne vient point le feu. Il faut que quelqu'un le lui donne. La flamme d'amour est de Dieu. Jean de la Croix, je te demande, non des mots pour l'inquisiteur, mais d'éclairer la nuit obscure de ta lumière, Jean de la Croix. Il dit que la flamme couronne la lampe, comme le Saint-Esprit l'apôtre, et la lampe n'est lampe qu'autant que sa flamme a mûri. Jean de la Croix, je te demande, quelle est la sagesse secrète ainsi qui fait lampe la lampe, Jean de la Croix. La vive flamme de l'amour est, pourquoi la lampe fut faite sans elle, qui n'est qu'un plomb lourd, la flamme et l'avenir de l'âme. Jean de la Croix, je te demande de dire au clair ce qu'est la flamme. Elle est l'avenir de la lampe, si je te crois. Il dit à nouveau que la lampe est l'âme et la flamme l'amour.
Une autre fois, je lui demande d'où vient l'amour et qu'est la femme. Jean de la Croix, je te demande qu'est l'avenir. Le jour vient de t'en souvenir, Jean de la Croix. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero vivo ya porque no muero? Je pleurerai ma mort déjà et je déplorerai ma vie tout le temps qu'elle restera détenue par mes péchés. Oh, mon Dieu, quand est-ce que je pourrais dire en vérité, oui, je vis de ne pas mourir. Jean de la Croix, de la mystique et de la poésie. Une émission proposée par Hubert Juin. Avec la participation de Germaine Jeanblin, Teresa Martine, le père Pierre Dormeillas, Bernard Sezet, le père Dominique Poirot, François de Saint-Chéron, Severo Sardoui et des moniales de l'ordre carmélite. Texte lu par Rocio Bleu, Gregorio Mansour et Jacqueline Coussen. Collaboration technique Louis-Michel Schwartz, Alain Berthier, Mireille Cros, Christian Prévost, Michel Mirou, Claude Jubier. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.